Bienvenue à ce nouveau rendez-vous en terre intérieure. Si vous démarrez cette écoute, c'est que vous avez envie de faire une pause. Vous pouvez méditer n'importe où, au bureau, chez vous, dans votre voiture à l'arrêt, peu importe. Dès l'instant où vous êtes dans un endroit calme et que vous stoppez complètement l'activité que vous faites. Vous pouvez pratiquer assis en tailleur sur un coussin ou assis sur une chaise. Dans ce cas, vos jambes doivent être décroisées, les pieds reposant bien à plat sur le sol. Vous devez être confortable dans vos vêtements, ils ne doivent pas vous serrer. La méditation dure 7 minutes. Vous n'avez qu'à fermer les yeux et vous laisser guider. La méditation de ce mois s'appelle le son intérieur. Elle est basée sur le mantra le plus utilisé en Kundalini Yoga, Satnam. Fermez vos yeux. Le dos est bien droit, menton légèrement entré. Trouvez votre verticalité. Étirez votre colonne. Relâchez vos épaules. Détendez votre ventre. Vos mains sont posées sur vos genoux. Paume vers le ciel. Poussez index en contact. Vos coudes effacés. En yoga, cette position des doigts s'appelle le Gyan Mudra. Il favorise le calme et la réceptivité. Observez le cycle de votre respiration. À l'inspire, sentez l'air froid qui rentre par vos narines et descend jusque dans vos poumons. Et à l'expire, prenez conscience de l'air plus tiède qui ressort par votre nez. À l'inspire, votre ventre se gonfle. Vos poumons se remplissent, vos côtes s'écartent. Et à l'expire, vos épaules se relâchent, votre poitrine redescend, votre nombril rentre à l'intérieur. Continuez à respirer en conscience. Allongez votre inspire. Et votre expire sur chaque nouvelle respiration. Puis tout en continuant à respirer longuement et profondément, visualisez à l'intérieur de vous-même un point au milieu du front, entre les sourcils, comme si vous vouliez rentrer en vous. Ce point est appelé troisième œil en yoga. Lorsque les yeux sont fixés, cela aide à calmer les vagues du mental. Peut-être est-ce difficile pour vous de le tenir. Peut-être même est-ce un peu douloureux. Revenez-y patiemment. Ne vous jugez pas. Faites de votre mieux là où vous en êtes aujourd'hui, à cet instant précis. En focalisant sur ce point intérieur, vous sollicitez différemment votre nerf optique. À force, vous sentirez comme un centrage qui s'opère en profondeur. Puis tout en gardant vos mains, pouces et index en contact et vos yeux concentrés au troisième œil, vous allez respirer en prononçant mentalement Sat Nam. Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Sat Nam. Un mantra est un son qui a une profonde résonance. Sat. Nam. Ce mantra est un concentré de lumière. Sat Nam peut se traduire par « Je suis la vérité ». La vérité est mon identité. Continuez. Inspirez le Sat. Expirez le Nam. Sat.
Je suis la vérité, Satnam. C'est accepter ce que vous vivez à l'instant présent, précisément ici et maintenant. Vous n'arrivez pas à rester centré, Satnam. Vous êtes calme, Satnam. Vous êtes tourmenté, Satnam. Continuez patiemment à répéter encore et encore mentalement. Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Prononcez ce mantra à partir de votre cœur, par le cœur. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. À force de répéter un mantra, il n'est plus besoin de le prononcer. C'est le mantra qui vit en nous. Continuez dans le silence à respirer Satnam. Ressentez que vous êtes véritablement vous avec ce mantra, ici, maintenant dans votre souffle. Cette vibration vous connecte à votre identité profonde, vous aligne avec votre propre vérité, avec votre lumière intérieure. Et vous allez prendre une grande inspire pour sortir de cette méditation. Expirez, rouvrez vos yeux, détendez vos mains. À tout moment de votre journée, je vous engage à respirer consciemment au son intérieur du mantra Sat Nam. Comme une programmation de vos cellules et de votre mental, il agira pour amener votre conscience au centre de vous-même. Espère, luette.